Bonjour, je m'appelle Mida, j'ai 32 ans et j'ai fait 20 ans de leçons de conduite. Mais j'ai des difficultés pour son lane et étant donné que je travaille pour lui, quand je trouve un gros camion, je panique. C'est où là? Le Learner Challenge by MUA, c'est une web série de 10 épisodes que nous passons en revue une étape clé qui est un aspirant conducteur bien connu. Bonjour, alors aujourd'hui nous focus sur checking blind spots and changing lanes parce que nous constatons à Maurice, il y a beaucoup de chauffeurs qui n'ont pas servi sa principe là du tout. Alors nous parlons de Mademoiselle Meda pour la leçon d'aujourd'hui. Bonjour Meda. Bonjour Monsieur Iqbal. A blind spot is an angle which is not covered by your side mirrors, ok? Ok. Alors pour checker ton blind spot, tu peux juste tourner un petit peu comme ça, qui te dit à gauche, tu peux trouver ici, qui est un autre gauche, qui peut un autre gauche, qui part couvrir pour ton rétroviseur. Si jamais l'autre devant toi ici, une pièce frappe, tu as fini de trouver. D'accord? Good. Fais l'embrayage au fond, mets ta moche. Fais l'embrayage complet. Faut que tu pas te les piétiner dans l'air comme ça, ok? Sinon, le policier là-bas demande pas de danse balayer parce que tu as l'air piétiner dans l'air, ok? D'accord? Ouais. Toujours quand tu check ton blind spot, tu sais ça. Formule qu'on appelle MSM. Move, c'est Mirror, Signal, Maneuver. Alors, tu check de ton miroir? Ouais. Est-ce qu'il y a dans le top et venir derrière? Côte-moi là, non? Là, tu changes de lane, tu prends dans droite, ok? Et où là? Doucement, doucement. Que tu peux faire? Ralenti, ralenti, vamos le ralenti. Garde du calme. Qu'est-ce que vous faites là? Je ne pas un remote. Mais je ne peux pas se dire que tu es au blind spot, tu es au rétroviseur. Mais vous êtes sans jouer, mademoiselle. Beaucoup de chauffeurs de Maurice font ça à RL, c'est pas que j'ai le blind spot, mais que j'ai le sens d'aide. Mais vous trouvez beaucoup d'accidents arrivés de moto, oui? Oui. Arrivez de gauche, de dossier à gauche. Ne change pas, je me montre toi comment tu vous as fait bien, d'accord? Là, le check de nos rétroviseurs, le check de marcher à droite. Le check de blind spot. D'une façon qui n'est pas tout la tête 90 degrés, tu tournes légèrement. Il y en a beaucoup de chauffeurs qui ne comprennent pas ça. The object you're seeing, the vehicle you're seeing in this mirror is not that far you think it is. D'accord? Tu double check de ton rétroviseur au milieu, vous te connaissez the real distance of the car which is at the back. Le ciel, on comprend là, hein? Oui, oui. Ah, c'est bon. Tu mets un petit peu tout bien. Oui. Tu commences à faire le même changement de lane que tu peux demander si tu peux gagner des difficultés. Et tu devrais te faire les deux fois, même deux ou trois fois, tu te faire aller bien. On t'y paraît et tu peux conduire en progrès. Quitte le changement de lane, quitte le checking the blind spot, tu te faire bien cette fois-ci. Allez. Et j'espère que tu comprends. Oui. Ok, c'est bien. Ok, voilà, je fais une erreur. Je vais checker mon rétroviseur comme mon voisin. Mais quand même, je tiens un contrôle de la situation. Du coup, je récit maîtrise c'est quoi exactement le show de check, comment on nous fait aller. Et je trouvais maintenant, je prenais plus l'énergie à sa frayeur, comment pour faire pour son lane. Je pensais que c'était plus facile pour moi pour me conduire en autoroute.